Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vlog à Disneyland Paris. Aujourd'hui, nous allons dire au revoir à Phantom Manor. Phantom Manor, voilà, c'est le... Nous sommes le dimanche 7 et Phantom Manor ferme aujourd'hui. Ouais. Ferme aujourd'hui jusqu'au mois de octobre, environ jusqu'à l'automne, environ ça c'est sûr jusqu'à l'automne, octobre ou novembre, on verra bien, mais en tout cas, allez, on va vous faire revivre cette aventure avant sa longue, longue fermeture. Les murs de cette pièce, par exemple, ne sont juste pas par hasard. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Quel angoissant problème à résoudre. Par où sortir? J'ai bien peur que vous soyez contraint de me suivre.
on sort du Phantom Manor. Ça fait plaisir de le refaire une dernière fois. Ouais, surtout que c'est l'attraction que je préfère. Voilà, surtout que c'est une super attraction. Et bah là, on vous emmène, on va faire un petit tour du cimetière Boot Hill. Juste ici, vous avez le bruyant Big Thunder Mountain. Et juste ici, hop, et on commence notre petite visite avec ce petit cimetière qui est vraiment super, quoi. Franchement, on est vraiment à fond avec ce manoir. Ça va nous manquer pendant tout ce temps. On a même les tombes des animaux. Voilà. Là. Ici, c'est le cimetière des animaux. Hop. Juste ici. Hop, on va faire le tout-tour hein, pour vous montrer pour cette fermeture. Ah, juste ici, regardez, vous avez les geysers qui sont réapparus cette année. Il y a le squelette d'animaux. Ouais, il y a le squelette d'animaux. Oh, on a de la chance, il y a un geyser qui vient de s'allumer. Hop. Juste ici, vous avez la montagne, toujours. Là, les tombes. Là, vous avez les tombes. Martha et Henri Ravenswood. Voilà, les tombes. Le propriétaire du manoir. Du manoir. Oh, désolé. Et voilà, les fameux propriétaires du manoir. Juste ici, il y a une autre... Voilà, ici c'est la tombe de Mélanie Ravenswood. Et normalement on entend le cœur qui bat, mais là on n'entend pas. Et ça, voilà, les tombes des domestiques du manoir, si le focus veut bien se faire. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, pour ce petit tour, hop, on va se mettre là, hein, on va prendre un petit peu de recul. Donc voilà, on vient de vous faire le tour du cimetière de Boot Hill, en fait, voilà, hein, en sortant de l'attraction. Phantom Manor, la fréquence va partir. On a eu la chance d'être dans les premiers à avoir un badge pour la fermeture exclusive. Hop. Vraiment. Si, si, c'est bon. Hop, au pire, si on voit pas bien, je vous mets la photo comme d'habitude et ça nous a fait super plaisir de voir cette attraction. On a eu beaucoup de chance de la faire aujourd'hui, le jour de la fermeture, en ce 7 janvier. J'allais dire décembre. Non, décembre. C'est fini, Noël et tout. Donc voilà, ça nous a fait plaisir de refaire cette attraction dans la voie. Dites-nous si cette attraction va vous manquer et qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle réhabilitation surtout. Ouais, moi franchement je sais pas ce que ça va. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. J'espère du bien, du positif. Ouais, à l'image de Pirates des Caraïbes, ce serait vraiment vraiment top. Ouais, des animatroniques vraiment fluides, voilà, et tout. C'est ça, ce serait vraiment cool. Ouais. Et nous on va continuer notre vlog. Et il y a une autre partie du parc qui va nous quitter, mais là définitivement. Et on vous emmène tout de suite la découvrir une dernière fois, vous montrer une dernière fois ce que c'est, ce qui va partir en destruction définitivement. Ouais, c'est parti. Les amis, tout à l'heure on vous parlait d'un autre lieu qui va disparaître à Disneyland Paris, mais cette fois-ci définitivement. Ce ne sera pas une simple réhabilitation comme le Phantom Manor, mais il va être complètement détruit. C'est le Chaparral Theater qui va être complètement détruit. Aujourd'hui, il accueille ses tout derniers spectacles avec la Reine des Neiges. Le show de Frozen. Donc voilà, on dit aussi au revoir aujourd'hui au Chaparral Theater, mais pour toujours cette fois, c'est pas un au revoir, c'est plutôt un adieu de cette super salle qui accueille de très bons spectacles. Je m'en rappelle de Tarzan, la Reine des Neiges, la forêt de l'enchantement, le spectacle de Noël avec la petite patinoire. Franchement, c'était vraiment top, c'était une avec de très bons spectacles dans cette salle, elle va nous manquer. Apparemment, ils vont en reconstruire une autre sans poteau au milieu et avec encore plus de place et vraiment couvert, ce serait vraiment bien. Donc allez, adieu Chaparral Theater et merci pour tous ces 25 ans de service. Bon voilà les amis, on va pas tarder à se quitter sur un dernier plan sur Phantom Manor. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Ah ouais, mais il est beau quand même le manoir. Hein. Il est beau notre manoir, j'espère qu'ils vont nous le rendre encore meilleur. Mieux qu'avant. Donc voilà, allez, salut Phantom Manor, on se dit à quelques mois, ouais. À l'automne prochain. Bon voilà les amis, ce vlog d'en revoir. À Phantom Manor se termine et d'adieu au Chaparral Theater qui nous a fait tant rêver durant ces 25 années de service. Et Phantom Manor, aïe, la grosse réhabilitation tant attendue et annoncée arrive, aïe, c'est aujourd'hui le dernier jour, on a eu la chance d'avoir de super badges. Fallait dire le petit mot de passe et on avait le droit à notre petite badge souvenir et commémoratif de cette journée de longue fermeture de Phantom Manor, de longue réhabilitation jusqu'en octobre, novembre, automne, ça annonçait automne
prochain, on a vraiment hâte de voir ce qu'ils nous préparent. Ouais. Hein, franchement, j'espère que ça va être bien. En plus, apparemment, c'est les Américains qui se chargent de ça. Et pour avoir fait un Dune Mansion à Disney World, c'était top. C'est chaud, hein, franchement, c'est beau. Donc, hein. on espère qu'ils vont nous le rendre. Niveau, quoi, ouais. Voilà, on espère qu'ils vont nous le rendre encore mieux qu'il est à présent, à la hauteur de Pirates des Caraïbes. Ce serait super top. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bien sûr, si elle vous a plu ou autre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, et activer les notifications pour ne plus rien louper. Et bien sûr, si la vidéo vous a beaucoup plu, ou même un peu plu, ou juste plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu qui pouce nous bleu ferait pour le badge. Ouais, un pouce bleu qui nous ferait super plaisir. Donc voilà, bah nous on dit au revoir à Phantom Manor, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.